Et salut à tous, c'est Pipou, on se retrouve donc sur la chaîne pour le troisième épisode de Crypt Custodian. Alors, on reprend là où on s'arrêtait. Donc, je suis à la zone du pic des sculpteurs et on va aller découvrir un peu plus la zone en profondeur. C'est quoi ça? Ah! Ah. Ah, je n'aime pas. Hein. Alors, là-bas, je peux pas y aller. Donc là, c'est plutôt par là. Il va falloir que j'aille acheter un nouveau pouvoir bientôt. Nouvelle zone, la tour. Attends. On va quand même finir la zone du pic là, juste avant. Parce qu'il y a une zone que je suis pas allé. Ah putain, merde, trop tard. Ah ben voilà, tu nous vois l'esprit, tout mimi, tout mignon. Et là, du coup, je ne peux pas y aller. D'accord, donc là, il faudra passer par la tour, hein, au vu du mécanisme juste avant, juste derrière là. J'aime bien là, quand tu rentres là-dedans. Ah merde! C'est rigolo quand tu rentres dedans. Ok, donc là, par là, le seul chemin. Hein. C'est quoi ça? D'accord, ok, ça se déplace. Ah, une nouvelle photo.
Il finit par devenir le chef du gang de chats errants le plus méchant de toute la ville. Grise. Ah, c'est Grise? D'accord, ok. Ok, bon, ça va. On est pire. Non, ça évite. Bah, un truc à porter, je dirais. Ouh, je crois que j'allais tomber. On dirait que je pouvais pas aller plus loin dans cette zone. Comme si j'étais bloqué, ouais. Donc à la limite, ce qui me resterait à faire, ce serait d'aller visiter la zone là-bas. Et avant ça, j'ai dit que je voulais aller acheter un pouvoir, ouais. Ah, meilleur balai. Pas mal ça. Alors, on va aller du coup là. Non, attends. C'est nécessaire 5. Ah, quand même. Alors, récompense du collectionneur. Augmente les dégâts en fonction du nombre de déchets possédés. Actuellement, plus 4%. Ça a l'air pas mal comme pouvoir. Surtout au vu du nombre. Allez, si tu commences à avoir 4000 déchets. Doit taper un peu fort, ouais. Ah, c'était pas là la zone, ouais.
T'es un con, je pourrais faire pour accéder là-bas. Alors, je vais pas aller loin dans cette zone. Alors, j'ai pas trop visité ici. Hein. La zone de merde. Ah, tu me reçois? C'est moi, Mira. Tu te souviens de moi? On s'est vu en haut. Oui, bien sûr. J'ai un problème assez urgent. Mes invités doivent arriver dans quelques minutes et je n'ai toujours pas de quoi leur cuisiner. Tu penses que je devrais leur faire ma fameuse soupe des marées ou que je devrais leur servir du raisin? Voilà la question. Une soupe des marées? Bonne idée. Ça va revigorer tout le monde. Merci. Je sais pas si c'est une bonne idée, je ne sais rien. Moi, je n'ai pas goûté sa fameuse soupe. Bah, il faut la droite, la gauche, je sais pas. Ah, j'ai une clé. Voilà. Moi, on se débarrasse direct. Alors. Putain, j'ai précieux, ça continue vers le bas. Il y a un truc de l'autre côté. Est-ce que c'est une zone de merde? Ah, d'accord, ok. D'accord, donc là je peux pas passer non plus.
Là-bas, je peux aller. Oh, comme c'est chaud. Mais non, c'est trop chaud. Heureusement que tu peux arriver à passer comme ça en trichant un peu, mais... Ping. Donc là-bas, je pouvais pas y aller, donc là, c'était par là. Si je meurs, je reviens là, c'est pas très grave. Là-bas, je peux pas y aller, trop loin. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien ça. Bon, par contre, ne me mets pas des bombes, des explosions, des merdes et tout, hein. Ça ira. Hein. Attends, c'est que le début. C'est que le début, comme on dit. Ah! Tu m'entends? C'est encore moi. Les invités sont devant la porte et n'arrêtent pas de toquer. Tu devrais les laisser entrer. Je voudrais bien, mais je ne suis toujours pas habillé et je n'arrive pas à me décider. Devrais-je prendre une tenue formelle ou une tenue plutôt un peu cool? Bah, une tenue cool quand même. Bonne idée. Avec ça, ils verront mon côté décontracté. Bah oui. Ça sert à rien d'y aller avec ta tenue en mode... Bah, 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 bah. Qu'est-ce que c'est cette zone derrière? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Oh garçon! Calme-toi! Oh fou, va! Bon, il a quand même fallu que je m'en prenne une dans la gueule, hein? Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? D'accord, donc là il y a une clé. Perfetto. Alors, la petite clé récupérée. C'est rigolo ça. C'est pas mal. Bon, c'est simpliste, mais c'est cool.
Quoi? Survivez? Survivez? Ah, je vais mourir! Je vais mourir! Dépêche-toi! Tente de merde! Je suis mort! J'étais pas loin! Ah, 4 4 vies, je serais passé, je pense. On se concentre. Ah. Voilà. Deux clés. Par contre, ne me dis pas survie une quatrième fois parce que c'est bon, hein? Alors, ça, check. Oh. Mais elle s'y sentait vraiment seule, alors elle décida de s'évader. Triste histoire de tous les personnages dans ce jeu. Quatre épreuves, quatre clés, ouais. Logique, quoi. Oh là 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 là. Oh putain, je suis passé, mais... Me demande pas comment. Oh putain, en plus derrière, il faut que je me retaille. Avec tous les trucs qui me tirent dessus là. Oh. Oh, encore. Ah, ça va. Franchement, ça va. Le retour, easy, quoi. Bon, ça va, c'est une phase de combat. Et je n'aime pas les gros là comme ça. Mais encore les phases de combat, ça va quoi, c'est pas le pire. Le pire, c'était survivre là. Lui, il était ignoble. Lui. Ah. Et il y a quelqu'un? Mes invités n'arrêtent pas de hurler mon nom par la fenêtre et ça m'angoisse. Ben ouvre! Tu penses que je devrais annuler le repas? Hors de question, je crois que je vais bientôt trouver une nappe. Donne-moi quelques minutes et je reviens. Il aura fallu la mériter la nappe, je te le dis. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça me passe? Le Goliath visqueux. Ah, purge! Ah, purge!
Wow! Ah ouais, d'accord, ok, on en est là, quoi. Les ennemis, le mec t'envoie les bombes dans la tronche. Ah ouais, d'accord, ok. Oh. Ah, franchement, j'abuse de te faire faire tout le tour là à chaque fois. On devrait. Yes. Ok, bon, pour l'instant, ça va. Ah merde, pourquoi je suis allé me jeter sur le côté? Il m'arrive. Allez, dépêche-toi. Ah merde, allez! Ouf! Pour la fin, j'ai fait n'importe quoi. Yes! Ah, ça va. Franchement, pattern est répétitif, donc ça va. Oh, la nappe! Tout va bien en bas? Je ne vais pas pouvoir faire attendre mes invités plus longtemps. Je commence à en avoir marre, les entendre toquer à la porte. Pas de problème, ça fera une bonne entrée. Prends-la et remonte. C'est l'heure de manger. Oh Mira, ta soupe des marées est délicieuse. Il va falloir que tu me donnes ta recette. Oh, c'est assez simple à réaliser. C'est juste un bol d'eau de marée que j'ai fait bouillir. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on dit, que les recettes les plus simples sont souvent les plus difficiles à maîtriser. Et d'ailleurs, ta tenue est aussi magnifique. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le truc? Yes, I am a rabbit. Quoi? Born in, je sais pas quoi, get over. J'aurais des conseils, mais fini niveau mode. Malheureusement, la mode est un art qui ne peut être enseigné. C'est comme le vélo. Alors, bonne sœur, comment se passe au peuple des pêcheurs? Oh, c'est pas facile. Il y a toutes sortes de fantômes qui viennent. Des grands, des petits, vraiment de tout. Et en tant que videur, c'est à moi de m'en occuper. D'ailleurs, je sais qu'il peut m'arriver d'être un peu sévère au niveau des VIP, mais j'ai passé une si bonne soirée que je tiens à tous vous donner accès à la zone VIP. C'est que vous êtes très important, du moins à mes yeux. Cependant, je vais devoir décliner l'invitation. L'endroit est trop éclairé et me fait mal aux yeux. C'est spécial ce lapin, hein? Le rabbit. Merci beaucoup. Mon dîner a rencontré un franc succès, je pense avoir fait bonne impression. Sans aucun doute, dis-moi, j'essaie de monter un groupe de fantômes afin de nous introduire dans le palais et de voler le miroir de cristal. Ça t'intéresserait de participer? Je sais pas trop. Est-ce que ça va faire peur? Ça demande des préparations en amont? Est-ce qu'on va devoir beaucoup marcher? Non, tu as juste à m'accompagner, moi je m'occupe du reste. Très bien, dans ce cas, j'accepte. Ok. Oui, nouveau compagnon. Mira. Alors, du coup, on va pouvoir retourner au ici et aller voir ce qui se cache au niveau de la zone VIP. Et tu ne peux pas passer devant tout le monde, tu sais. Enfin, pour une grosse souris comme toi, je peux faire une exception. Une grosse souris, je peux une souris, je suis un chat. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça vous permet d'équiper plus d'améliorations.
Par contre, du coup, il faut que j'aille où là? Est-ce qu'on était vraiment bloqué par là ou pas? Ah ouais, je peux passer par là. Voilà, ils me font peur là tous. Ah! Non! Putain, je me suis fait avoir. Je pensais pas que ça allait venir aussi loin. Je me suis fait couillonner. Nécessite une clé pour déverrouiller. C'est quoi cette grosse clé là? Voilà, classique quoi. Ah putain merde. Eh merde. Tiens. Des fois, je sais même pas qui c'est qui me touche, je comprends pas. Non, là, oui. Là, j'ai compris. Tellement long revenir ces ennemis-là.
Allez, comme d'hab. Oh là là, fatigant, quoi. Mais non! Purge, c'est fou quand même! Allez, lumière dans moi. Eh ben, s'entend. Tuer les ennemis crée un gros projectile qui inflige des dégâts. Sympatoche. Mais je sais pas où on va là, on va où là? Force. Je comprends rien. Ok, donc là il y a encore cette histoire de parcelle inexistante. Parce qu'il va me falloir un pouvoir là pour les parcelles, je suppose. Ah! Donc déjà, c'est que ça a l'air d'être le bon chemin. Puisque là, du coup, je peux passer. Ah, le golem de pierre. Oh, c'est quoi cet ennemi de merde? Oh, je déteste ça. C'est ignoble ça. Oh, mais c'est trop dur ça. Oh, ça a l'air chaud. Ça a l'air tendu. Tout ce que je déteste. En plus, ça bouge, ça... Ça bouge et ça recule en même temps, c'est horrible. Ouais, par contre, éviter de me mettre un ennemi là, c'est pas. Oh, le son de merde. Ah! Ah d'accord, ok, parce qu'en plus il fait ça. Non, mais c'est quoi ça? Ça se calme, mon pote, non? Qu'est-ce que j'en pense?
Ah, là, je me fais toucher. Allez, finis-le, finis-le, finis-le. Oh, quelle horreur, ce boss. Ah, nouvelle capacité. Balai boomerang. Maintenez carré et relâché pour jeter votre balai. Appuyez à nouveau pour le ramener vers vous rapidement. Appuyez sur carré. D'accord. Ouais, c'est pour avoir accès aux zones que j'avais pas accès, quoi. Il y a sûrement genre des leviers, des trucs comme ça actionnés. Et après, tu auras accès directement au... Ça va faire apparaître des plateformes, quoi. Bon, ben du coup, on va s'arrêter là. Donc, pour cet épisode, pour le troisième épisode ben, consacré au jeu, hein, en tout cas, toujours pas mal, hein. Mécanisme assez intéressant, sympathique. Il y a des ennemis différents un peu au fur et à mesure des mondes et des niveaux, donc c'est quand même assez cool. Il y a un renouvellement un peu comme ça de la proposition, il y a des nouvelles mécaniques au fur et à mesure ben, qui se développent, donc c'est quand même assez intéressant. Non, franchement, l'univers il est bien, l'ambiance est pas mal, le gameplay il est cool, le jeu il est fluide. Non, franchement, pas mal, hein. Moi j'aimais, hein. L'histoire, elle est triste et mignonne à la fois. Non, franchement, ben, un peu ces petits personnages avec leur histoire un peu à tous respectives qu'on connut un peu ben, des déboires et tout ça dans le monde vivant avant du coup ben, d'arriver dans le monde des esprits, hein, notamment de là, quoi. Mais en tout cas, non, franchement, voilà, ben, bonne découverte. Je suis vraiment content. Le jeu est bien. Et j'ai hâte de découvrir la suite de l'aventure. N'hésitez pas à vous à mettre en commentaire ce que vous pensez également vous du jeu. Je répondrai dans tous les cas. Je vous dis à la prochaine. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous et sur ce, ciao ciao!